Le métier de charpentier, c'est l'art et la science de fournir un pan, un plan, pour que les couvreurs puissent étancher un bâtiment. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de fournir un pan, plus ou moins compliqué, ça va du simple pan à des charpentes extrêmement complexes, avec le minimum de matière et ce qu'on appelle un contreventement, c'est-à-dire un soutien de la structure qui va permettre d'encaisser toutes les déformations dues au poids de la couverture et aux contraintes extérieures météorologiques, du vent, de la neige, etc. C'est un métier qui demande à la fois beaucoup de techniques, de savoir-faire, de compréhension de l'espace et à la fois une dimension physique, puisqu'on est quand même amené à transporter, à mettre en œuvre des matériaux qui sont relativement pesants, mais avec un maximum d'astuces, de façons de faire qui nous permettent de forcer un minimum. Alors, le charpentier intervient très tôt dans la démarche de construction, puisque c'est lui qui va donner un petit peu le ton du bâtiment, les arases, les descentes de charge de la toiture. Donc il va conditionner en fait toute la structure du bâtiment. Après, l'intervention proprement dite, la pose des bois se fait une fois que la maçonnerie est livrée. Et puis il y a tout un épisode en amont de taille, c'est-à-dire entre la conception de la charpente et la pose, un épisode à l'atelier où on taille les bois. Alors donc moi j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai fait une filière universitaire, je suis allé donc jusqu'à un bac plus 4 en environnement, j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Et puis j'ai été un petit peu rebuté par l'inutilité de la paperasse, de la lourdeur administrative et finalement l'impact réel que ça avait sur les milieux naturels. Et donc de là j'ai ressenti une envie de travailler la matière, de faire quelque chose de concret, de faire quelque chose d'utile. Et je me suis orienté vers la charpente parce que justement il y avait ces deux parties, il y avait cette partie physique, chantier, construction et toute cette partie conception, trait de charpente, qui est une science et qui mobilise énormément de capacités intellectuelles. Ma reconversion, je l'ai faite grâce à l'AFPA. Donc, j'ai eu une formation de CAP en 10 mois. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un an et je suis parti donc, sur le Tour de France des compagnons qui ont continué à me former pendant 5 ans. Après, les parcours peuvent varier. On peut rentrer à tout âge. Bon, évidemment, il y a un âge limite, on va dire une quarantaine d'années, où sur le chantier, ça va commencer à être difficile. Mais il n'y a pas vraiment de voie prédéfinie. Alors c'est un métier qui a de l'avenir, c'est un métier qui recherche beaucoup de compétences. C'est un métier où on peut évoluer, où vraiment l'intérêt et la motivation sont récompensés relativement vite, c'est-à-dire qu'on peut grimper relativement vite les échelons. Maintenant on a des systèmes de formation en cours de carrière qui sont très bien calibrés et donc on peut rentrer en tant que charpentier en ayant un plan de carrière plus large, en se disant qu'on ne finira pas sa vie sur le chantier, c'est tout à fait possible et c'est même l'évolution recommandée du personnel. C'est un métier qui va rester intéressant tout le long de notre vie, on ne sera jamais figé dans une position, il y a toujours des charpentes plus compliquées à faire, il y a toujours des levages plus intéressants à faire, il y aura toujours ce besoin d'adaptation et toujours cette récompense de la motivation. Maintenant que vous connaissez mon métier, à vous de jouer.